Good morning, Ali Den, et tu seras aujourd'hui les Lonishmat, Claude, Shlomo, Ben Shalom, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucien Batrina. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Sota, Perek, Vav, Mishnah Delet, Ed Omer Nitmet, Ve Ed Omer Lo Nitmet, Isha Omeret, Nitmet, Ve Isha Omeret, Lo Nitmet, Aïta Shota, Echad Omer Nitmet, ou Shneim Omerim Lo Nitmet, Aïta Shota, Shneim Omerim Nitmet, Ve Echad Omer Lo Nitmet, Lo Aïta Shota. On va mettre, finir, conclure aujourd'hui le sujet du Ed Echad de Ed Touma'a. Soit, la Sota, elle doit passer trois étapes. Elle a trois étapes. Kinouï, Stira, Ed Touma'a. Kinouï, c'est le moment où le mari l'avertit, la jalouse, lui dit « Je t'interdis de t'isoler avec un tel. » Stira, c'est le moment où elle s'est isolée avec la personne. Seter, elle est rentrée dans un endroit caché avec lui. Et Ed Touma, c'est si toutefois il y a eu acte interdit, qu'il y a un témoin qui nous dit. Alors maintenant, pour le nombre de témoins, c'est le grand sujet qu'on a ouvert longuement dans ce chapitre, qui, pour les Kinouï, le moment où il avertit, il faut deux témoins. Le moment où elle s'isole, il faut deux témoins. Mais une fois qu'on a déjà les deux groupes de témoins qui ont témoigné sur le... ça peut être les mêmes, entre parenthèses, qui ont témoigné sur le fait que le mari l'avertit, puis après sur le fait qu'elle s'est isolée. Alors maintenant, pour savoir ce qui s'est passé dans la chambre, ça suffit même un seul témoin, un voisin d'en face qui vient, qui nous dit « J'ai vu qu'il fallait qu'il y ait des choses pas bien qui sont passées là-bas. » Et dès qu'il vient et qu'il témoigne, on le croit, et même si c'est une femme qui est en général invalidée pour les Edouillottes, pour ce témoignage, elle est crue, et même si c'est même un esclave ou une servante, et donc on va les croire, et c'est tous un ridouche qu'on a appris dans les psukim, des déduits des psukim dans la Mishnah précédente. La... Du coup, on se retrouve avec un grand sujet très original, en fait, que la Michelle va en fait ouvrir. C'est qu'il s'avère que maintenant, tu vas croire, en général, pour tout, la plupart des halakhot de la Torah, il faut deux témoins et pas un seul témoin. Il y a quelques petites exceptions à la règle, une chote jvouot, quelques petites exceptions où des fois, on va croire plus ou moins un témoin. Mais en général, il faut nécessairement deux témoins. Maintenant, juste pour bien préciser la halakha, à partir du moment où on a deux témoins, hein, imaginez qu'on a une contradiction entre deux témoins contre 998 témoins. D'un point de vue halakhique, on ne dit pas qu'on va donner l'avantage aux 998, pas du tout. On va avoir un groupe de témoins contre un autre groupe de témoins, c'est ex aequo. Parce qu'à partir du moment où on a atteint les deux témoins, on n'a plus de différence s'il y en a deux ou s'il y en a 10 000. Ça reste deux témoins. Ça reste un témoin, on a un groupe de témoignages. À la différence du cas où la Torah, elle a donné une certaine crédibilité à un seul témoin. C'est la problématique qu'on va voir dans notre Mishnah. Tu crois un témoin comme deux. Alors tu considères qu'il y a eu deux ou qu'il y a eu un. Pour le contredire, il faut un contre un ou il faut un contre deux. C'est la problématique. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire, la Torah, elle nous dit, tu sais, lorsque tu apportes un témoin, lui, il a un poids qui compte comme deux. Et si, maintenant, la Torah a donné l'avantage à celui qui va témoigner que la femme, elle s'est purifiée. Mais témoigner que la femme n'a pas été souillée, il n'y a pas un témoin, il n'y a qu'un seul témoin. Or, un témoin, il n'est pas cru. Donc en fait, imaginez, on a un témoin qui est cru comme deux. Moi, j'ai un, quand je l'ouvre, quand j'avance un propos, je suis cru comme deux. Pour me contredire, il faut deux ou il faut un. Et la Mishnah, regardez, je vous donne le principe tout de suite, après on va le voir plus dans les détails dans la Mishnah. Le principe, il est très simple. Au moment où je viens au Beit Din et je témoigne, si au même moment, il y a un autre qui vient, un, il annule un, il ne reste plus de témoignage. Mais si j'ai réussi à venir au Beit Din et à faire passer, valider mon témoignage, parce que lorsque je suis venu, il n'y a pas eu de contradiction. Si après, il y a un témoin qui va venir me contredire, il est plus cru lui, parce que moi, dès que mes paroles ont été agréées au Beit Din, acceptées, cautionnées, ça y est, je prends un poids de deux. Dans ce cas-là, ce n'est pas un qui va venir me déraciner, il va falloir deux contre moi. D'accord? Vous avez compris le principe? On va voir ça maintenant dans la Mishnah avec un peu plus de détails même, il va y avoir quelques petits ridouchim supplémentaires, mais le principe il est là. Ed Omer Nitmet, Ed Omer Lo Nitmet, un témoin témoigne qu'elle a été impurifiée et l'autre témoin qu'elle n'a pas été impurifiée. Soit, on a les deux voisins en face. Une fois qu'elle est, le mari l'avait prévenu, tu t'isoles pas avec un tel, elle s'est isolée avec un tel, deux voisins là-bas l'ont vu qu'elle est rentrée toute seule dans un endroit dans la chambre fermée. Et on a un témoin d'ici, un témoin d'ici, chacun raconte une autre histoire.
Un, il nous dit, voilà, j'ai vu que c'est pas beau ce qui s'est passé à l'intérieur. L'autre dit, quoi? Moi, j'ai vu deux moments, ils sont entrés, ils ont fermé la porte, ils ont sorti un échiquier, ils ont joué aux échecs, tout simplement. Ils ont fini la partie, puis après, ils sont rentrés chez eux. Ils ont ouvert la porte, ils sont sortis. On a une contradiction, qui c'est qu'on croit? Il y a un témoin qui affirme qu'il y a eu impureté, et l'autre témoin qui dit qu'il n'y a pas eu impureté. Mais qui affirme de manière certaine qu'il n'y a pas eu. Ça a été de midi à midi et quart, ils étaient ensemble pendant un quart d'heure, j'ai vu toute la partie des échecs, je voulais même leur donner des conseils, même tellement que je regardais bien. Et d'accord? Et voilà, qui on croit? Alors là, on se retrouve, ben, un, il annule un, on a donc une femme qui a été avertie et qui s'est isolée, et on ne sait pas ce qu'il y a eu impureté, parce que le 1, il annule le 1, il ne reste plus rien, ça s'annule. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire qu'elle va être chota, on va lui donner à boire, parce que le 1, il a annulé le 1. Entre parenthèses, s'il y avait eu le 2 contre 2, c'est ce qu'elle a été impurifiée, on ne l'aurait pas donné à boire. On aurait été en situation bloquée, sans pouvoir donner à boire. Parce que les deux, ils annulent pas les deux. Les deux, c'est. Bon, là, c'est compliqué, c'est pas expliqué dans la Mishnah, donc je ne vais pas trop rallonger dessus. Mais 2 contre 2, c'est pas que les deux, ils annulent les deux. C'est que les deux, on va vivre avec une contradiction qu'on ne sait pas éclaircir, on ne sait pas qui a raison. On ne pourra pas donner à boire dans l'histoire. Alors que c'est lorsque c'est un contre un, le 1, il annule le 1. À condition que le 1, comme on a dit, que le 1 n'a pas encore été accepté au Beth Din, donc pour le moment il a juste un niveau de 1. Mais une fois qu'il a été, comme il nous dit le partenaire, Vedavka qui a tout, Baadé, qui sont venus ensemble au Beth Din. Parce que si ils sont venus en deux temps, si le témoignage qu'elle a été impurifiée est venu et a été accepté au Beth Din, il prend un statut de 2 et le 1, il peut plus venir annuler le 1 qui vaut 2. Ok? Donc je reprends dans la Mishnah. Edomer Nitmet, Edomer Lo Nitmet. Un témoin affirme qu'elle a été impurifiée, qu'elle a été souillée, elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Edomer Lo Nitmet, et l'autre nous dit non, pas du tout, elle n'a rien fait de grave. Isha Omeret, ou bien encore, c'est pas aussi une contradiction de femme, c'est le même principe. Isha Omeret Nitmet, ve Isha Omeret Lo Nitmet. Une femme qui nous dit que elle a été souillée, elle a transgressé, et l'autre qui nous dit pas du tout, elle n'a pas transgressé. J'étais en face aussi, j'ai vu qu'ils ont joué aux échecs, comme on a dit. Eh bien, Aïta Shota, dans ce cas-là, le 1 annule le 1 et on l'a fait boire. On n'a plus du tout de témoignage sur ce qu'elle a fauté ou pas. Par contre, si Echad Omer Nitmet, ou Shnaim Omrim Lo Nitmet, Aïta Shota. Alors là, on se retrouve avec maintenant que. Alors là, ça va être délicat. Faites attention. Je traduis d'abord. 1, il affirme que Nitmet, elle était impurifiée. Ou Shnaim Omrim Lo Nitmet, et deux qui nous disent non, elle n'a pas été impurifiée, elle n'a rien fait de grave. Alors la Mishnah me dit qu'elle ne veut pas boire. Et je traduis la dernière phrase aussi, comme ça on explique tout en même temps. Shnaim Omrim, par contre, si c'est le contraire, deux, Shnaim Omrim Nitmet, deux qui affirment qu'elle a été salie. Elle a fait ce qu'elle fait pas faire. Vechad Omer Lo Nitmet, et un nous dit non, pas du tout, elle n'a rien fait de grave. Dans ce cas, la loi est à chauffeur, on ne la donnait pas à boire. Je m'explique d'abord le principe général. D'abord, c'est très simple, relativement. C'est que si on a deux témoins qui viennent et qui nous disent que elle a transgressé, quand ils ont fermé la porte, deux témoins qui viennent qui nous disent j'ai vu ce qui s'est passé, elle a fauté. Dans ce cas-là, on croit les deux, et la femme, elle est divorcée, sans Ktouba, et on ne la fait pas boire. Ça, c'est clair. Et même s'il y a maintenant un témoin qui va nous dire, bien évidemment, un témoin qui va nous dire que non, pas du tout, elle est restée propre, ça a aucune. Deux, ils éclatent le 1. D'accord? Ils l'écrasent, il n'existe plus le 1. Mais lorsqu'on a le cas contraire maintenant, le 1 qui dit qu'elle a été impurifiée, les deux qui viennent qui nous disent qu'elle n'a pas été impurifiée, alors là, la Mishnah va me dire, bien sûr, évidemment, il y a ici, les deux vont l'emporter sur le 1, et on va lui donner à boire. Voilà ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. Maintenant, il y a un problème technique. Est-ce que c'est sûr que tu veux lui donner à boire? Tu veux lui donner à boire les eaux de la Sota? Parce que tu considères qu'elle a peut-être été impurifiée. Mais de quoi tu parles? Si tu parles qu'il y a eu deux témoins qui viennent et qui nous disent qu'elle n'a pas été impurifiée, donc elle n'a pas été impurifiée. Vous comprenez la problématique? Il y a un témoin qui vient qui nous dit « Oui, j'ai vu quand ils ont fermé la porte, moi j'étais à la fenêtre, j'ai tombé au balcon, je fumais ma cigarette, et d'un coup j'ai vu que... très moche, ce qui s'est passé. » D'accord? Alors, en théorie, ça y est, le mari, il ne va pas pouvoir faire boire sa femme les eaux de la Sota, il va devoir la divorcer sans lui donner la Ktouba. Mais on a en contrepartie deux témoins qui disent « Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? » On a vu qu'elle n'a pas été impurifiée. Ils ont joué aux échecs, apparemment. C'est ce qu'ils affirment. Dans ce cas-là, on a une contradiction de nouveau. Alors là, la Mishnah me dit que Aïta Shota, malgré tout, il faudra lui donner à boire. Or, s'il y a deux témoins qui viennent et qui nous disent que la femme n'a pas fauté, il n'y a aucune raison de la faire boire. Et les deux l'emportent sur le 1, surtout s'ils viennent en même temps. Du coup, il va falloir expliquer un petit peu différemment. C'est ce qui est fait le Bartanora, qu'il y a eu un témoin qui nous dit, j'ai vu
Lorsqu'ils ont fermé la porte, elle était souillée. Les deux qui viennent lui disent, est-ce qu'elle a fait une avéra ou elle n'a pas fait une avéra? On n'en sait rien. Depuis le moment où ils ont fermé la porte, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais une chose de sûre, toi qui nous dis que tu l'as vu être impurifié, nous on était à la même place, et de la place où on était, on a vu la même chose, la même scène qu'on était en même temps que toi. On est sortis fumer là, ensemble la même cigarette, en même temps. Et on a vu, durant le moment où nous on était, on sait qu'il n'y a pas eu de faute. Toi qui dis qu'il y a eu une faute, tu as mal vu. T'es un menteur. Nous, on a vu qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de faute. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu après? On n'en sait rien. Ah, vous n'en savez rien. Dans ce cas-là, on la fera boire ensuite. D'accord? C'était la petite finesse qu'elle va comprendre. Donc on retient le principe général de la Mishnah, il est très simple. D'abord, 1 contre 1. Si le 1 n'a pas réussi à parler au Bedin et à ce que son témoignage soit accepté, avant que l'autre y vienne, c'est 1 contre 1, il s'annule. Et la femme, elle n'a pas bu. Elle n'a pas de témoin contre elle. Et elle devra boire. Si par contre, on a eu un qui a réussi à passer, à faire accepter son témoignage au Bedin, un autre qui vient, il ne pourra plus le contredire. Par contre, s'il y a deux qui viennent, ils pourront le contredire. Maintenant, les deux qui viennent, qui doivent le contredire, selon le cas. S'ils vont nous raconter, en fait, qu'elle n'a pas du tout été souillée, alors la femme ne boira pas du tout. Ça y est, elle est redevenue permise à son mari. Si on a eu des témoins qui viennent, qui nous disent, lorsqu'ils ont fermé la porte, ils n'ont rien fait de grave, ben, il n'y a plus, elle n'a plus besoin de voir les yeux de la sota. Mais si toutefois ils viennent et nous disent, non, toi, le témoin qui affirme que tu as vu, tu ne pouvais pas voir depuis, selon l'heure et l'angle que tu avais, on ne pouvait rien voir, on était avec toi, on n'a rien vu. Dans ce cas-là, les deux vont pouvoir déraciner le un qui témoigne qu'elle a été impurifiée, et la femme va maintenant être comme une femme qui s'est juste isolée, qu'il va falloir lui donner, qui a été avertie et isolée, qu'il va juste falloir lui donner à boire, d'accord, à boire les eaux de la sota. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.